j'offre là maintenant en tant que ministre de l'économie et des finances, c'est pour moi apporter un démenti. Moi dis un démenti formel à rumeur qui t'a circulé dans tous les médias de la capitale, dans presque tous les médias de la capitale, qui fait quoi que et c'est un de travail que j'ai gagné avec réseau de journalistes dans le ministère des Finances lundi dernier, côté que nous avons déclaré que le gouvernement Moïse Séan a l'intention d'augmenter le prix des produits pétroliers sous ma chair. Nous avons dit qu'il n'a jamais été question de ça. Et je le dis, ça me dit. Je te dis en tout premier lieu que, et c'est ça que je souhaitais, je te souhaitais que pour me t'a pas tenu, il était spécifiquement porté sous budget de la République là, budget 2018-2019 là. C'était d'abord une séance de travail d'idée qui était organisée et qui pouvait permettre que tout le monde appréhende de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que je t'ai présenté. Nous avons profité pour nous présenter tout cadre macroéconomique. Nous avons profité tout pour nous présenter les indicateurs macroéconomiques. Pour nous dire que nous avons une situation de fragilité, notre situation de précarité en matière de finances publiques. Et ça me dit. On te dit tout que nous enregistrons un déficit budgétaire que nous n'avons jamais enregistré en pays. C'est ça que je dis. Nous avons révisé dans les données de Bayo, nous avons dit que nous avons révisé à la baisse les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là, parce que dans le budget que tu as déposé avant juin, il y a 20 milliards de recettes pétrolières qui n'est pas capable de percevoir. Ça veut dire que c'est zéro taxe en termes de recettes pétrolières. Ça veut dire que pas de perception qui t'a fait sur recettes pétrolières. 20 millions de gouttes, ça, moi, t'ai bien expliqué, je t'ai dit que dans le budget qui est prêt à le déposer là, il y a un gap de 20 milliards de gouttes. Mais moi te chita avec l'administration fiscale pour que nous diminuions le gap là de 5 milliards. De sorte que le gap là passe de 20 à 15 milliards dans le budget. Moi te dit tout que le gap ça est reparti entre les différentes institutions. En dans l'état, budget, son budget à la baisse, l'ivinier. Budget pas capable de gagner, même enveloppe qui était gagnée avant, en termes de puisque les recettes ont diminué, à cause du fait que les recettes pétrolières n'ont pas capable de faire, eh bien, les recettes ont diminué, les dépenses ont diminué tout. Il m'a dit que les dépenses qui étaient diminuées, c'était des dépenses qui étaient portées, qui étaient concernées achat de biens et de services, et c'est toute administration, tout organisme qui en dans la maison centrale là qui a supporté ben ça. On a parlé de toute institution, on a parlé de finances et présidence, parlement, toute institution a supporté ben ça puisque gon gap de recettes. L'autre bagarre de profiter dit parce que dit en liaison avec ben ça, moi t'ai dit que bon aggravation de situation hein, parce que le fait que nous perdons 20 milliards là, nous ne sommes pas capables de financer le budget à hauteur de TIA. Mais bon, l'autre situation qui vient plus aggravant, c'est que ou obliger Kembe Priya à la pompe à hauteur de TIA, et pendant qu'il est pris à la pompe à l'hôtelier, pris à augmenter ce marché international là, ça fait que Ovin prend en marge compagnie. C'est-à-dire que pour gaz la vendre à l'hôtelier là actuellement,
eh bien, ou obligé pour un petit bagage dans la marge compagnie. Lorsqu'on prend la marge compagnie, ou mettez compagnie dans la situation pour pas capable d'acheter gaz. Donc, il faut restituer le COP. Nous avons dit que le fait que nous avons 20 milliards de gap, nous avons gagné 2 milliards de remboursement aux compagnies pétrolières pour être capable de continuer à acheter gaz. Je dis que si tendance à continuer pour l'année, nous sommes capables de provisionner dans le budget en montant aux alentours de 20 à 22 milliards de gourdes pour être capables de payer les compagnies pétrolières lorsque le gaz la vend sur le marché. L'autre point d'avancé, je te dis que l'État a subventionné le gaz. Et c'est là qui est le point névralgique. Là. Je dis que l'État a subventionné le gaz. Mais la subvention n'est pas à joindre la masse peuple. La subvention, son subvention qui a joindre un petit point monde. C'est eux qui bénéficient de subvention gaz là. Et me démettez ça à la réflexion de tout le monde qui était là. Les directeurs d'opinion, et mettez le tout, pas devant tout le monde dans la société là, pour après réfléchir sur la problématique là. Parce que, ou l'État, ou pas fait gaz, ou pas gagne raffinerie, ou pas vendre gaz, ou pas subventionner gaz là. Mais subvention, c'est on petit catégorie mon la joine et puis gros masse qui peut supporter qui t'a supposé joindre subvention va joindre sous chaque 100 gourdes de subvention l'état bail 80 gourdes à joindre petit point mon ça ça veut dire 25% de la population Torchelles family qui capable payer gallon gaz là capable acheter un gallon gaz si lorsque si gaz a ta et augmenter eh bien moun sa yo subvention ça dan bay li subvention ça al joine catégorie moun sa c'est seulement 20 goud kal joine toute la masse moun ki la classe défavorisée yo c'est 20 goud seulement kal ki kete pou yo di situation ça pas karete comme ça son déséquilibre lié dans société a et que c'est moun qui gagne qui pour subventionner moun qui gagne pas capable à recevoir subvention il pas capable comme ça il pas depuis la société al comme ça il créé une injustice un manque d'équité c'est ça me dit non la conférence mais moi même d'ailleurs mais yo passé et comment dire et bande sonore là pour dire que moi dit que gaz là pour l'augmenter. Bah j'aime dire bah comme ça. Font réflexion, moi dit faut chercher une meilleure façon pour adresser question hein, pour que lorsque l'état ba en subvention sont subvention qui ciblée. Faut subvention hein, aller joindre vraiment monde qui besoin subvention. Mais monde qui pas besoin subvention, l'état pas capable ba subvention. Donc faut réranger question hein, pour que que lorsque nous faisons structure de prière, lorsque nous appliquons prière, et que, parce que ça vient de passer, ou renoncer avec un ensemble de taxes, ou pas percevoir taxes, l'on pas percevoir taxes, qui est-ce ou baille taxes, qui est-ce ou baille comme ça, ou baille monde qui gagne déjà. Monde par exemple qui gagne gros groupe électrogène de la caille, monde qui gagne machine gros cylindre de capé et gaz, en tout cas, monde qui a capé un gallon gaz. C'est yo ou baille subvention puisque ou pas appliquer taxe pour t'appliquer sur gaz là donc ou baille subvention ou subventionner l'idée serait que n'a baille subvention al joine classe moun qui démuni moun qui pas capable payer par exemple marchand qui travaille dans entreprise baille sous-traitant c'est autre c'est moun qui besoin bénéficier de subvention l'état donc mettez question ça à l'appréciation de tout le monde qui était autour de table là, pour me dire comme ça que normalement faut une réflexion
qui fait sous question dans la société. Parce que le problème n'est pas un problème de ministère des Finances. Le problème n'est pas ouais, comme si c'est le ministre des Finances. Là, et son problème, il y a un problème sociétal, un problème de l'État. C'est tout pays qui a confronté le problème de Gaza. Et pas Haïti seulement. Actuellement, là, en France, il y a un gros problème. Même aux États-Unis, il y a un gros problème. Donc, faut que yo pa wè comme si problème non, son problème qui lié à ministre finance, mais ministre finance là dit pas l'augmenter quand même d'ailleurs, mais yo dit que côté m'te dit on fois que eh ben Gaza va l'augmenter de temps à temps. Côté m'te dit Gaza va l'augmenter de tel montant tel le. Bah chambre dit bah comme ça. Seul bagarre d'ailleurs mais préciser, non mais préciser que leur ce directeur d'opinion il faut que ou prend pile précaution pour pas peut-être déformer penser au monde, pour pas mésinterpréter penser. L'homme mésinterpréter penser au monde, ou vient créer un bon problème dans la société. Et les maps gardées par là, ou gardées, ouais, c'est tout, presque toutes les médias, d'un seul coup, qui font faisceau, qui parlent des mêmes bagages là, mais jamais une fois, ils n'ont pas dit côté de Dimba l'augmenter gaz là. Jamais une fois, on va pas dire qui l'homme de Dimba l'augmenter gaz. On va pas passer ça. Faut t'en passer pour m'a parler, pour me dire oui, on va l'augmenter gaz à telle heure, on oblige augmenter tel mois, on oblige mettre la telle montant. Personne va dire ça. Moi, me poser une problématique, mettez problématique là à la sagacité, à la réflexion de tout le monde dans la société là. Pour comprendre, parce que vous avez passé devant, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que lorsque l'État a une subvention, vous comprenez la subvention, c'est vous-même la joie. Non, la subvention, elle vient d'un point, d'une catégorie de monde, un petit point, la joie. C'est ça lié. Il faut comprendre comme ça pour véhiculer comme ça. Ce n'est pas à véhiculer des bagages en l'air, et puis sans fondement. Moi-même, je fais longtemps que je gère question ça, je me connais bien. Cela veut dire que là, nous avons une situation côté que l'État haïtien doit assurer sa redistribution de richesse là. Ce n'est pas tout le monde dans, et ceci dans toute société, ce n'est pas tout le monde dans, société, dans n'importe quelle société qui a contribué à la charge de l'État. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. C'est une catégorie de monde qui a fait. C'est le monde qui gagne. Il y aurait ça, des monde qui gagne. Capacité contributive. C'est eux-mêmes qui sont capables de contribuer. Les gens qui ont des revenus assez importants, c'est eux-mêmes qui pour contribuer. Mais là, ils contribuent à tout. Il faut que la contribution les diffuser. Il faut que la contribution redistribuer dans la société. Pour que le rôle social revenu soit capable, évident pour tout le monde. Lorsqu'on percevoir un impôt, il faut si l'impôt rester seulement. Pour monde, on dit que c'est 25% de monde qui t'a percevoir impôt, qui t'a payé impôt, et puis qu'on a là, ou bah 25% de monde seulement service et pour quitter la société. Ou imaginez dans quelle société tu as vivre là. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la redistribution du revenu national pour que toute société soit capable de fonctionner de manière cohérente et équilibrée. Depuis ça, pas qu'à faire dans la société, il y a un déséquilibre et il faut des équilibres à adresser. Il faut des équilibres à parler de lui pour que vous preniez des mesures pour redresser. On dit que budget a fin préparé. Budget a pour le soumettre dans le Parlement. Mais si je te parle de augmentation des taxes, est-ce que je te parle de augmentation de carburant? Est-ce que je te dit que le budget ça ressources la diminuer? Si je te parle d'augmentation, je te parle de augmentation dans le budget. On tape 30 d'augmentation dans le budget, on peut même parler de réduction de ressources. Moi, je dis que budget, ressources courantes de l'État, y compris ressources qui étaient liées à pétrole là, eh bien, ressources ça a diminué de 20 milliards de gouttes que vous avez fait ou pas fait encore. Il diminue de 20 milliards de gouttes. Et c'est comme ça que budget a présenté. Ressources là, c'est 124 milliards de gouttes dans le budget qui était déposé, il passait à 100 combien 110 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'il baissait. Si c'est lui baisser, eh bien, pas qu'il y ait perception recette pétrolière. Parce que c'est cette pétrolière-là qui fait le baisser comme ça. Donc, dans tout ça, je dis, on prend compte que Presta prend un petit bagage. Et puis, il fait un gros bagage avec elle qui va même vrai.
C'est ça qui va même vrai. Moi parler de ajustement de salaire. D'après ça, pas jamais parler de ça. Parce que ça va intéresser. C'est pas ça qui intéresse. Ajustement de salaire, moi dit que suite à ajustement de salaire minimum, yo, mais l'État obligé ajuster salaire de monde qui est dans l'État. De monde policier et professeur, tout le monde y a bénéficié d'ajustement de salaire. Et ajustement de salaire, montant qui prévoit, montant aux alentours de 4 milliards de gouttes. Pas yon presse, pas parler de ça. Yo sort un article pour dire que moi dit m'a augmenté le gaz. Non mais c'est vrai. mais c'est vrai. Yo dit m'a augmenté le gaz. Donc bon en tout cas moi m'a dit ça me tendait ça moi. Tu comprends? M'a dit ça me tendait ça moi. Donc moi c'est ça que fait moi même dit bon me quitter, me quoi moi me quitter ba la parler comme ça. Après depuis même fin de ça. On te regarde dans seul monde. Il dit bon, où t'es dans salle là? M'a dit qui est. Il dit bon, où t'es dans salle là? L'aime d'a fait présentation budget. Est-ce que tu me parler de augmentation de taxes? Il dit non, m'a pas parler de bail comme ça. D'ailleurs, moi t'ai dit comme ça que pas gain augmentation de taxes dans budget. C'est une. Deuxièmement, on t'ai dit que pas gain augmentation de recettes pétrolières. Je dis non, oui, c'est vrai ça dire. Il dit mais si c'est vrai, pour que ça fait mal à la sortie comme ça. Je dis bon, il va faute lui, il va connaître, va comme ça me dit non mais écoutez, on va faire une sortie comme ça. Elle fait sortie comme ça, il fait du temps. Alors là, si c'était pour me perdre du temps, ministre, de perdre. Bon. C'est pas ça. Et pas ça. Alors que on a perdu lui pour bagarre qui va vrai. Donc, je pense que faut que nous faisons ça de manière plus objective. Il faut le faire avec plus d'objectivité. Et si peut-être si on a un article qui a sorti ou bien de position qui a donné, je pense que c'est le fait de manière concertée. Parce que nous sommes un ouvert, moi, et pas un monde qui ferme, mais je ne suis pas comme ça. Un monde qui est ouvert, et ça me pense à. C'est les mêmes Torchellus family. Moi, je suis en direct. Et il y a des fois, je dis que je suis en direct. Tu comprends? Donc, je tenais à faire précision ça pour nous. Pour que nous calmions. Et appréhension de nous calmer. Et c'est ça que je fais. Je dis que je suis venu. Mais là, je regarde moi. Je vais aller à la pointe. Je dis bon, maman éclaire, c'est samedi. Déjà. Parce que samedi, déjà, moi-même. Moi j'étais de elle. Je toujours peur ça me fait, mais ça ne me pas fait, généralement je m'appelle. Donc ça veut dire que je n'ai même que presse à retirer toute bande qui passait quand côté de table dit que Ronald de Sabine Finance t'es dit pas de augmenter. Pas de bail comme ça. Et je souhaitais que la collaboration ministère avec la presse toujours était même bien. Parce que n'y a aucune détérioration la donne. Et lorsque un événement, la presse a toujours invité. A toujours traité de manière précieuse. En tout cas, et c'est une opportunité pour moi de gagner, pour me faire parler ça avec nous. Et son point de presse, comme nous dit, sur l'éclaircissement d'a fait. Maintenant, je vais vous répondre. Si vous avez une question, tu peux aller là pour répondre. Merci.